Santa! Tu sens la poule. Pardon? Ça fait longtemps que j'ai pas reniflé une femme, mais je te confirme, tu sens la poule. La poule de luxe. Je sens la poule. Oui, la poule. Mais c'est ridicule. Bon, enfin, je vous en prie, qu'est-ce qui vous prend? J'aime pas les poules. D'ailleurs, je suis pas le seul à ce qu'on dirait. Un Jules qui te paye un manteau pareil, tu vas le regretter. Hein. Mais je vous prie de rester correct. Mon mari va revenir d'un moment à l'autre. Peut-être vous l'avez vu, vous aussi, une femme qui cherche à arrêter les voitures sur l'autoroute. Mon mari a failli la renverser. Ça fait deux jours que je suis ici. Mais on dirait qu'elle cherche à se faire renverser. À se suicider, peut-être. On a parfois de bonnes raisons de se suicider. J'ai eu très peur. J'ai cru que mon mari pourrait pas l'éviter. Moi, j'ai fermé les yeux, mais il a gardé son sang-froid. On aurait pu tuer cette femme. Je voulais m'arrêter, je voulais descendre. Vous comprenez, c'est une réaction, c'est plus fort que moi. Je pouvais plus supporter cette voiture. Rien que le bruit du moteur me faisait peur. J'étais réellement choquée. Alors mon mari m'a proposé d'attendre ici, c'était préférable. T'es encore sous le coup de l'émotion? Oui, j'arrivais plus à respirer. Mon mari va essayer de la retrouver. Je te fatigue pas, va. Ton histoire, t'as pas besoin de me la raconter. J'ai tout vu, j'ai tout compris. Et je m'en fous comme de la guerre 14. Non seulement, il y a un truc que tu sais pas, c'est que tu peux pas rester ici. C'est pas possible. Pourquoi? Je vous dérange? Non, non. Tu peux pas, c'est tout. Mais ça va pas durer longtemps, je vous le promets. Mais même pas longtemps, tu peux pas. Et en plus, tu comprendrais pas avec ta cervelle d'oiseau. Je te dis que c'est pas possible, c'est pas possible. C'est tout. Hein? Alors, la première voiture qui s'arrête, tu montes dedans et salue la compagnie. Mais pour aller où? Mais je sais pas, n'importe où, où tu veux, mais en tout cas sur un autre parking, mais pas ici. Non, mais c'est pas possible. Je dois attendre mon mari ici, sinon il ne comprendrait pas. Mais il comprendra très bien, je lui expliquerai. Non, mais vous ne connaissez pas mon mari. Il m'a laissé ici, je dois l'attendre ici. Mais puisque je te dis que c'est pas possible, enfin... T'es complètement frappée, ma parole. J'ai tout vu, ton mari ne reviendra pas. Il t'a plaqué. C'était superbe, j'avais envie d'applaudir. C'est quelqu'un, ton mari. Enfin, c'était peut-être pas ton mari, mais... Hein, j'en ai rien à foutre. Alors ça sert à rien de l'attendre ici, un jour, une heure, 10 jours, parce qu'il ne reviendra pas. Vous racontez n'importe quoi. Vous connaissez pas mon mari. Moi, je sais qu'il reviendra. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Neuf heures. Enfin, si ça t'arrange, tu peux toujours croire qu'il reviendra, mais si tu veux l'attendre, tu iras l'attendre ailleurs, pas ici. J'ai pas besoin d'une poule ici. Moi, j'ai besoin d'être seul. T'as compris? Pourquoi tu me regardes jamais quand je te parle? Mais vraiment, je vois pas en quoi ça vous dérange que j'attende ici. Ça durera pas longtemps, je vous promets.